Je vous emmène pour commencer ce magazine au Gabon. Le Gabon, théâtre ces derniers jours de violentes émeutes antigouvernementales. Vous savez que la France a envoyé des troupes en renfort à Port-Gentil, le poumon économique du Gabon, où les émeutes ont entraîné le départ de près de 2000 Français. Alors, en marge de l'actualité, actualité que nos différents journaux suivent en permanence, il nous a paru intéressant pour reporters de vous montrer le type de formation, le type d'entraînement que ces troupes françaises reçoivent afin de pouvoir intervenir en toute situation. Un entraînement commando qui nous emmène justement en pleine forêt gabonaise sur la piste Malibé, l'une des pistes les plus difficiles du monde. Reporter Philippe Buffon, Claudine Faure. Dans le camion, vous débarquez tous les sacs, vraiment vite. Bon, allez, la section derrière, c'est parti. Nous, ce qu'on est, c'est les guerriers. Ce qu'on fait, ce pourquoi on est fait, c'est on s'entraîne pour faire la guerre, on apprend à faire la guerre, et c'est tout ce qui nous intéresse. Le parcours est un parcours de la découverte. Le seul patron à bord, c'est le moniteur. Si le moniteur vous dit « Stop, c'est pas bon, vous recommencez », vous fermez votre gueule et vous recommencez. Le meilleur temps réalisé sur la piste fait actuellement 2h15, il est détenu par les crapes. J'espère que vous êtes capable de faire mieux. Il faut que j'assure. Étant donné que j'ai le groupe, si moi j'assure pas... Le groupe sera retardé à cause de moi, alors il faut que j'avance à la même cadence que vous. On est chronométré pendant sur tout le parcours. Et là, il faut essayer à faire un temps record. Allez, poussez les gars, poussez. Allez. Après être passé par Malibé, les gens n'ont plus peur après de pénétrer en forêt. Nous avons tout d'abord un petit parcours dans l'eau avec portage d'une poutre, puis ensuite à la sortie passage dans les paniculiers avant d'arriver au filet de Tarzan. Go ! C'est OK ? Non, au départ. OK. En poussant nos gens à faire toujours plus, en les obligeant à faire plus que ce qu'ils feraient d'habitude, en les obligeant à faire le maximum, en les obligeant à travailler, on arrive à former des guerriers, des vrais guerriers et des professionnels. Des gens qui, le jour où on fera la guerre, seront prêts à tout. Ils seront prêts à tout faire et savent qu'ils peuvent tout faire. Est-ce qu'il y a d'autres pistes comme ça dans le monde? Moi, je n'en connais pas. J'ai entendu parler d'une piste difficile, celle du centre d'entraînement commando des SAS à Brunei, Bornéo. Sinon, les Américains ont quelque chose à Panama qui n'est pas de ce niveau. Puisque leur circuit à Panama est assez petit. Leur centre d'entraînement commando sur place, étant limité en superficie, ils ne bénéficient pas du même contexte. Dégage, dégage! Il y a des mecs devant, c'est vous qui bloquez, on attend après vous, là. Putain! Allez, hop, levez, allez! Il y a assez peu d'incidents, très peu même compte tenu du nombre de personnes qui passent sur la piste. En revanche, les problèmes rencontrés sont ceux de petites parasitoses, des filaires de l'Aloha, des petites crises de palud, enfin le lot courant de toutes les maladies équatoriales. Il
Moi, je préviens jamais, moi. Enfin, c'est eux qui viennent me voir, qui me disent, ouais, t'es malade ou quoi. Mais moi, j'aime pas de dire que je suis malade. Ça fait pas bien. Comme on dit, ça fait tir au cul. Eh, levez la robe, les gars! Allez. Il y en a qui foutent rien, il faut qu'ils aillent devant, là, les gars. Allez, oh, amen, couche-tête, donne-moi. Allez, passez de l'autre côté, ceux qui foutent rien, doucement, restez là, bouge pas. Ouais, bouge pas. Doucement, allez, la robe. Allez, avancez. Je peux pas avancer, je suis dans la merde, là. Bon, il faut soulever le grillage, comme tout à l'heure, les gars. Il y en a 4 qui restent pour le brancard, et les autres, on se fout tous sous les trucs. Allez, dépêche-toi. De l'autre côté, Fabrice. Putain, dépêche-toi. Passe devant, toi. En dessous. On s'en fout. Allez, faites le cliché, maintenant. Allez, baisse la tête. Baisse la tête. Qui fait gaffe, baisse la tête. Allez, Renaudin, c'est bon. Attends, il est bouché, là. Et attendez qu'on sorte tous, là. OK. Quels sont les jeunes qui s'engagent dans les paras? Dans le recrutement, on a un petit peu un éventail de la France profonde telle qu'elle existe, hein, une espèce de diapositive à l'instant T de ce qui peut se faire d'une certaine jeunesse. Hein, cela va de l'étudiant à l'ouvrier, en passant par tous les degrés, disons, de culture. Nous avons encore des gens qui savent tout juste lire et écrire. Allez, on les pousse. Christophe, c'est bien, Christophe. Tiens, allez, il y en a un deuxième qui monte, un mec léger, Jacob. Lève le bâton. De l'union tire. Il y a deux qui sont là. Allez, putain, récupère. On ne peut pas, au bout d'un mois, dire on a formé les futurs Rambo de l'armée française. En revanche, si les personnels sont livrés dans ce but et qu'il reste 3 mois à faire de la lutte guérilla contre guérilla en forêt, là, ce sont des combattants particulièrement redoutables quand ils seront lâchés en forêt. C'est une éventualité, on ne sait jamais exactement où on va combattre, mais le jour où ils devront combattre dans ce contexte, j'espère qu'ils seront prêts.